The usual dissection of À travers le prisme occidental, la société japonaise a peu ou pas de défauts. Un taux de délinquance et de crimes peu élevé, des citoyens respectueux, des rues calmes et sûres, même la nuit. Pour chacune de ces affirmations, il existe des contre-arguments, prouvant que cette vision révèle davantage d'une forme de fantasme que de la réalité. Le Japon, comme tous les pays du monde, a ses qualités et ses défauts. Le premier étant certainement l'exigence de la société japonaise envers ses citoyens. La nécessité de réussir dans ses études, la nécessité de trouver un bon travail, la nécessité de se marier et de fonder une famille, surtout pour les femmes. Des attentes communes à la plupart des citoyens du monde certainement, mais les Japonais subissent une forme de pression particulière à la conformité. Une course à la réussite et une culture qui laisse peu de place aux rapports humains spontanés. L'archipel souffre d'une crise de l'amour, et de manière générale, d'une crise dans les rapports humains. La population est vieillissante, l'isolement et la solitude fréquents. Aussi, il y existe une infinité de services destinés à combler ce manque, s'infiltrant même au cœur de la sphère privée. Au Japon, on peut louer un ami, louer un petit ami, louer une famille pour quelques heures ou une journée entière. A main goal of mine while in Japan was to experience the weirdest things I could possibly find, things that I wouldn't be able to experience in the United States. So when I heard the idea of a boyfriend rental service, I was sold. The only specification I gave was that the guy speak English. And after seeing these profile pictures of the guys they offered, oh man, I could not wait to see who showed up. I'm on my way to meet my rental boyfriend. Can't wait. We're about to do a photo booth. Yes. Internet et les réseaux sociaux ont pris une place importante dans cette société où l'individu se noie dans la masse. Par nécessité de contact humain, même virtuel, la jeunesse japonaise est très connectée. Dans les rues, ils sont nombreux à marcher tête baissée, écouteurs sur les oreilles. Takahiro Shiraishi fait partie de cette jeunesse connectée. Enfant des années 90, il a grandi à Zama, dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Les Shiraishi sont une famille à tout ce qu'il y a de plus ordinaire, composée de 2 parents et de 2 enfants, un garçon et une fille. Takahiro, l'aîné de la famille, est de nature calme et discrète, un garçon tout à fait ordinaire. Néanmoins, la voie classique n'est pas celle que choisit le jeune homme. Il n'aspire pas particulièrement à faire des études ou à trouver un travail. À l'entrée dans l'âge adulte, il n'entretient pas les meilleures relations avec sa famille. En 2016, Takahiro, en recherche d'argent facile, commence à travailler pour un proxénète, se chargeant de vendre des filles à des sex shops. Activité illégale qui lui vaut d'être arrêté en février 2017 pour violation de la loi japonaise sur la sécurité de l'emploi. Il s'en sort avec un sursis. Mars 2017. Le jeune homme a alors 27 ans. Après une dispute avec son père, il n'a plus aucun soutien financier ni moral. Il peine à trouver un travail honnête et passe la plupart de son temps chez lui, à surfer sur internet, et notamment sur Twitter. Les journées passent lentement quand elles ne servent aucun but. Aussi, Takahiro cherche un moyen de gagner de l'argent facilement. Il va alors tenter de séduire des femmes seules et les persuader de lui prêter de l'argent. C'est également à cette période qu'il commence à s'adonner à une pratique curieuse. Il repère les tweets de jeunes femmes suicidaires sur Twitter. Quand il trouve une fille assez jolie, il entre en communication avec elle, jouant le rôle d'un ami, d'un confident et de la personne qui saura l'aider à mettre fin à ses souffrances. Le suicide est devenu un problème important au Japon. En 2014, le pays a enregistré environ 70 suicides quotidiens. La plupart de ces individus étaient des hommes. Les facteurs principaux, la dépression, le chômage, la pression sociale provoquée par une société très exigeante, une solution radicale, intrinsèquement liée à l'importance de l'honneur dans la culture japonaise. Au Japon, le suicide a une connotation spéciale. Sauter la vie, si on a failli à nos obligations en tant que citoyen, est considéré comme acceptable. Aussi, le suicide collectif y est un véritable phénomène. En octobre 2004, 7 Japonais, hommes et femmes, qui s'étaient rencontrés sur Internet, se sont suicidés ensemble dans les montagnes de la préfecture de Saitama. Il n'est pas rare au Japon que des individus organisent leur suicide sur des forums, afin de ne pas partir seuls. À l'été 2017, Takahiro commence des recherches intensives sur le suicide. Comme fasciné par le sujet, il s'y jette corps et âme. Après plusieurs échanges infructueux sur Twitter, sa stratégie s'avère payante. Le jeune homme fait la rencontre d'une jeune femme, que nous appellerons Yuki. Ensemble, ils parlent de tout et de rien, mais surtout, ils discutent de la mort, de l'éventualité d'un suicide collectif. Yuki n'a aucune raison de se douter que son nouvel ami n'a pas l'intention de mourir avec elle. Le 18 août 2017, Takahiro signe le bail de son nouvel appartement, une suite située au deuxième étage d'un immeuble dans le quartier de Midori Hills, dans la ville de Zama où il a grandi. Ce jour-là, il est accompagné de Yuki et du père de cette dernière, qui, d'après l'agent immobilier, semblait assez remonté. La nature de la relation entre Yuki et Takahiro est floue. Mais une chose est sûre, ils sont très proches, puisque la jeune femme prête à Takahiro les 510 000 yens dont il a besoin pour finaliser le contrat de location. C'est également ensemble qu'ils se rendent à l'agence immobilière dès le lendemain, pour signer le dit contrat. N'ayant pas les moyens de rembourser la somme prêtée, Takahiro décide de recourir à une méthode plus radicale pour se débarrasser de sa dette. Yuki deviendra la première victime de celui qu'elle considérait comme un ami, voire comme un amant. Dans les heures suivant la mort de Yuki, le jeune homme achète une scie et se renseigne sur les méthodes de démembrement d'un corps humain, comme en témoignera l'historique de son téléphone portable. Sa deuxième victime est le petit ami de Yuki. Inquiet, il s'était présenté au dernier lieu où sa copine s'était rendue, fonçant tout droit vers la mort. Après ces deux meurtres, pour lesquels il n'est ni suspect ni inquiété, c'est euphorique que Takahiro met en place son plan machiavélique. En septembre 2017, la troisième victime se présente chez lui, une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle aussi suicidaire, que nous appellerons Sayaka. Sayaka espère que son nouvel ami pourra l'assister dans ses derniers moments. Le jeune homme se montre accueillant, rassurant, et lui propose un verre d'eau contenant un somnifère. Alors qu'elle est presque inconsciente, Takahiro immobilise Sayaka, puis, insensible à ses supplications, abuse d'elle. La scie se révèle une fois de plus utile pour démembrer le corps de la pauvre Sayaka, dont il se débarrassera dans une décharge à proximité. Pour chacun des meurtres, le tueur utilise le même mode opératoire. Il contacte une jeune femme en détresse via Twitter, il l'invite à se suicider chez lui ou à passer une soirée en sa compagnie, simplement pour le réconfort. Une fois qu'elle est arrivée, il l'attaque par surprise, abuse sexuellement d'elle, se débarrasse de son corps et enfin vole ses effets personnels. À Zama, les disparitions inexpliquées sont rares. Quand 9 personnes se volatilisent en l'espace de quelques semaines, la police de la ville commence à se questionner. Les réseaux sociaux des disparus sont scrutés à la loupe. La seule chose qu'ils ont en commun, un ami, Takahiro Shiraishi. Sur son Twitter, le jeune homme se fait appeler Le Pendu, déclarant ouvertement qu'il est doué pour accompagner les gens dans leur suicide, disant même qu'il est prêt à aider toute personne désireuse d'en finir avec la vie. Il faut prendre Takahiro à son propre piège. Un de ses contacts Twitter, une jeune femme, sert d'appât, jouant à la perfection le rôle de la victime idéale. Grâce à cette manœuvre, les autorités réussissent à obtenir l'adresse de Takahiro et à pénétrer dans son appartement. Là, il trouve 8 grands congélateurs, ainsi que des boîtes contenant les restes des victimes démembrées. Une seule boîte est vide, peut-être en préparation de la 10e victime. Les victimes étaient en majorité des femmes âgées de 15 à 26 ans. Pour ces crimes, Takahiro n'a exprimé aucun remords. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour me décider à commettre ces actes. Mais à l'époque où je recrutais pour ce proxénète, j'ai fait des choses illégales tous les jours, et j'ai intériorisé l'idée que le seul problème est de se faire prendre. Si je n'avais pas été attrapée, je n'aurais rien regretté du tout. Selon les résultats de son évaluation psychiatrique, Takahiro Shiraishi ne souffrirait d'aucun trouble pouvant altérer sa responsabilité. Le 15 décembre, la section de Tachikawa du tribunal de district de Tokyo, en charge de l'affaire, condamne Takahiro Shiraishi à la peine de mort. Selon la Japan Broadcasting Association, après le procès, le père d'une des victimes aurait déclaré que, même si Takahiro Shiraishi mourait, Il ne lui pardonnerait pas. Cette douleur ne disparaîtrait jamais. Rendez-moi ma fille. Cette histoire effroyable, comme tant d'autres, nous permet de nous questionner sur la nature humaine. Il est bon de rappeler que, dans ce monde virtuel où les liens amicaux peuvent se former à la vitesse de l'éclair, il est impossible de savoir qui se cache réellement derrière l'écran.